Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode de Factorio. Alors, ça fait à peu près une petite semaine que j'avais pas joué, voilà. Alors, ce que j'ai fait en y retournant, voilà, j'ai modifié beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté un mur ici pour défendre le circuit principal que j'ai énormément modifié. Si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, en fait, c'était deux lignes à chaque fois séparées. Alors, on avait ces deux, les deux de cuivre, les deux de fer. Et ces deux-là, voilà. Puis on avait ça qui arrivait un petit peu à côté. Alors j'ai tout modifié, j'ai tout rapproché. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que à un moment donné, ça allait finir beaucoup trop gros. Et ça marchait pas. Et je trouvais ça pas très 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 beau. Alors ce que j'ai fait, voilà, c'est que de chaque côté, j'ai laissé un passage de 4 par 4. Où il n'y aura aucun tapis, rien du tout, juste un petit chemin où on pourra marcher, passer avec une voiture. D'ailleurs, je sais pas si je peux en faire une voiture. Je pense qu'on peut. Allez, il faut juste des éléments de moteur qu'on n'a pas. Mais voilà, donc c'est ça. Et ici, la même chose, 4 par 4. Bon, bien entendu, rendu à ce point-là, ça mène plus à rien du tout. Ça mène à rien du tout plutôt, mais voilà, c'est quand même le principe. C'est juste pour, puisque ça risque d'être assez long, avoir un chemin sur lequel marcher. Alors vous pouvez voir ici, ça a bien changé. Cette base a été abandonnée parce que ça m'a pris suffisamment de temps en fait pour que ici il n'y ait plus de matériaux. Voilà, alors ça c'est complètement vidé. J'ai laissé les murs et le tapis et les petits bras, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai laissé. J'ai récupéré les tourelles, tout le reste. Ici, j'ai laissé les tourelles sont encore là parce qu'il reste trois foreuses. Je sais pas si elles sont vides ou pas. Vider la pierre, si vous vous souvenez pas. Ici, c'était le quartz. Et donc, voilà, ça c'est en train de se finir. Si c'est pas encore fini, et donc je l'enlèverai d'ici le prochain épisode. Ici, vous pouvez voir les deux réserves qu'on avait qui sont quand même pas mal pleines. On a rempli, je dirais, 12 coffres faciles par. Pour chacune des deux réserves de quartz et de pierre. Voilà, ça arrive direct ici avec la ligne de munitions en dessous. Ça arrive ici. Et là, ça va se servir pour cet épisode où on va faire les circuits électroniques avancés. Je pense qu'on va pouvoir les finir. Si je me trompe pas, on va pouvoir les finir. Voilà, là, il va juste falloir que j'aille me chercher quelques circuits en haut à l'ancienne base. Mais c'est à peu près tout. Ici, j'ai rajouté un mur. J'ai changé. Les munitions, je vais aller vous montrer ça. Voilà, ça, ici donc j'ai dû tout descendre aussi un petit peu. Ça a pris pas mal de temps parce qu'ils étaient trop serrés en haut. J'avais quelques patchs de ressources ici et ici qui gênaient. Alors je les ai mis dans des coffres. Voilà, j'ai tout miné. Et ici on est rendu à faire des munitions avancées comme vous pouvez le voir. Le quartz et la roche qui arrivent. Ici on a aussi un circuit d'hydrogène, de chlorure d'hydrogène qui arrive aussi. Alors ça c'est pas mal bien. On va s'en servir pour finir nos circuits électroniques avancés. Alors ça c'est bon. Sinon j'ai pas mal de ressources aussi parce que tout ce que j'ai dû déplacer, toutes les lignes que j'ai déplacées à chaque fois, je récupérais chaque fois 2-3 000 de chaque matériau. Alors ça fait pas mal. J'ai assez de tapis pour l'instant. Munitions comme ça, on n'en utilisera plus vraiment. Je vais les laisser pour l'instant, mais on va finir par les enlever ici. On va prendre ça. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ça c'est. Bon, voilà, j'en veux 5 stacks toujours. Ici on a un petit peu de bois en trop. Alors j'ai vraiment récolté beaucoup d'objets un peu partout, complètement inutiles. Ici on n'a plus de bois. Je sais que j'ai du bois de l'autre côté, alors on va aller en chercher. Hein, ça sera pas trop long. Voilà. On va prendre 4 stacks ici, on va le réduire à 2 stacks puisqu'on va transférer ça à l'autre base de toute façon ici. Bon, à part le bois qui manque, je pense que tout fonctionne bien. On va aller chercher du bois en bas pour que ça continue de marcher. Ensuite, on pourra passer à ce qui est vraiment important pour cet épisode. Puisque l'ancienne base marche toujours au bois malheureusement. Ouais, ici, j'ai les tuyaux que j'ai décalés aussi qui passent un petit peu plus loin. Je trouve ça un petit peu mieux, c'est plus propre. Hop, déjà, il y a du bois ici. Ici, je me souviens qu'il y a beaucoup de bois. Est-ce qu'il en reste? Donc ici, un petit peu de tout, mais il n'y a pas de bois. Beaucoup de carbone. Et ça devrait aller. Ouais, j'ai tout nettoyé ici. J'ai déplacé quelques lignes pour que ça soit un petit peu plus propre.
Et on pourra continuer avec ça. Voilà, ça c'est bien important. On va continuer avec ça. Comme ça, je pense que c'est... Disons qu'on a durci la base sur laquelle on va continuer à construire. Et ça, c'est important. Donc, coffre en bois, c'est dans lui que je dois le mettre. Hop, voilà. Là, il devrait avoir du bois pour un petit moment. Et ça devrait continuer à produire. Voilà. Ça toujours, on va le mettre à 5 stacks. Voilà. Qu'il nous fasse ça, que quand on revienne, on ait de quoi avoir quelques petits matériaux. Voilà. Sinon, pas mal de recherches aussi qui sont faites, hein, puisque ça a pris du temps, l'air de rien. Donc, les recherches, on a débloqué quelques-unes. Par exemple, fourrage électrique niveau 3. Voilà, on a les chaudières niveau 3. On n'a pas encore les engins électriques niveau 3. Ça, il faut attendre encore un petit peu parce qu'il faut les recherches bleues, malheureusement, on n'a pas encore. Mais ça devrait arriver très bientôt après cet épisode. Mais pas cet épisode, je pense pas. J'ai regardé comme il faut. Et ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il ne fallait que qu'un seul électrolyseur pour... Voilà, j'ai fait ma petite feuille de notes. Il faut qu'un seul électrolyseur pour faire ça ici. Bon, pas ça d'abord, mais pour faire le calcium chloride qui va nous permettre ensuite de faire les silicon plates. Et ensuite, ça nous permet de faire les silicon wafer. Alors tout ça, il en faut qu'un seul de chaque. Alors ça, c'est super intéressant. Et ensuite, il va nous falloir ici 4 machines pour faire les transistors pour les 6 machines de circuit électronique avancé qu'on va avoir. Voilà. Alors ça, c'est plutôt simple. Je vais quand même m'assurer que ça soit agrandissable dans le futur. Donc pour ça, on va laisser un petit peu les fils dépasser. Ça, c'est bon. Ici. Il faut laisser assez d'espace de ce côté. Si je ne me trompe pas, ça se fait là-dedans. Alors, si on met ça ici, voilà. Ok, c'est peut-être pas la meilleure place pour le mettre. On va le mettre ici, tiens, voilà. Ça, c'est bon. On va voir le bras. Pour faire rentrer, il va nous falloir quelques bras. On en a encore assez, ça, c'est bon. Quelques bras, voilà. Il va falloir une dizaine de ceux-là qui prennent des longs bras, donc ça c'est bon. Ensuite, il va nous falloir quelques bras robotisés encore. Parfait. Donc ça, c'est pas des bras longs. On va prendre ceux-là. Voilà, c'est parfait. Qui vont sortir les matériaux. Voilà. Et ici, on va pouvoir sortir les matériaux. Ça c'est bon. Comme ça, on pourra l'agrandir des deux côtés si besoin. Ce qui sera pas du tout nécessaire pour l'instant, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pas la bonne machine? Non, en effet, c'est pas la bonne machine. On va déplacer ça direct. C'est celle d'une de produits chimiques. Voilà. Donc, c'est calcium chloride. Voilà. Ça, c'est bon. Ça sort. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin d'une énorme production. J'aurais pas eu besoin de mettre un bras rapide. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais commencer à les utiliser quand même. Même si, voilà, ils consomment un peu plus d'électricité. Je pense pas que ça soit un problème. Voilà. Ok. J'étais en train de regarder la consommation électrique maximale. C'est un peu bizarre. Drain d'énergie 400. Drain consommation maximale 33 kW. Je trouve ça un peu beaucoup pour juste un bras. Mais on va pas s'en plaindre. Ensuite, il nous fallait pour le reste de la recette, il va nous falloir du calcium chloride. Carbone et du quartz. Alors le quartz, voilà, qui est juste en dessous. Alors je sais pas jusqu'à où on va le tirer pour avoir ça. Voilà, parce que ça, on va avoir ça ici. Alors si on a ça de ce côté-là, déjà, il faut regarder 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ok, ça fait 5. C'est pour les 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ici. Plus un sixième pour s'assurer qu'il va y avoir assez de place pour passer les tuyaux, c'est toujours important. Et ensuite, on pourra donc monter ici. Voilà, ça c'est bon. De toute façon, on se mettra sûrement pas tout à fait de ce côté, puisqu'ici on a les je sais plus comment ça s'appelle, les résistances. Voilà, les appeler selon leur vrai nom.
Bon, on continue un petit peu plus à côté. Si vous voyez la place que je me suis laissé, je suis content. Donc, oui. Alors ça, j'ai dû faire une petite boucle parce que ça passait trop proche. Là maintenant, il nous faut faire monter le quartz. Il nous faut du carbone et ça sera bon. Alors, le quartz, je pense qu'on va le laisser comme une espèce de circuit auxiliaire au circuit principal. Voilà, il sera pas dans le circuit principal parce qu'en tant que tel, c'est pas une ressource que je pense qu'on va utiliser une tonne. Mais au cas où justement qu'on l'utilise beaucoup, je préfère le séparer, voilà, et pouvoir l'utiliser à plusieurs endroits comme ça. Alors là, est-ce que j'ai toujours ces espaces? Oui, c'est parfait. Parfait, parfait. Ici, on monte. On monte encore un petit peu. Ok, ça c'est bon. Voilà, on a deux de nos trois matériaux. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le carbone qui va arriver par ici. Là, on est assez décalé, je pense. Voilà, ça c'est bon. Alors ça pourra ensuite aller comme ça en souterrain, ça sera parfait. Si on veut l'agrandir plus tard, on aura juste à rajouter quelque chose en dessous, ça sera bon. Sinon, je pense pas qu'on l'agrandira trop de toute façon. Donc ici, je crois que c'est dans l'électrolyseur cette partie. Silicone, voilà, calcium, voilà, dans l'électrolyseur. On a que le petit pour l'instant, mais ça va aller. Il n'y a pas de façon spéciale de le mettre, hein, je pense. Je crois que dans tous les sens ça va marcher. Voilà. De toute façon, ça nous sort quelque chose de solide. Alors c'est bon. Là, par contre, on va le décaler. Il est un peu trop serré. Voilà, parce qu'on veut passer le carbone. Alors, le carbone, on va tirer ça comme ça. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est là qu'on a notre passage souterrain. Si on veut. Passage souterrain obligatoire. Ici c'est pas forcé, c'est juste le garder un petit peu plus propre. Je vais faire ça ici aussi d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Non, cela peut pas aller plus loin, c'est bon. Et là on veut donc avoir le matériel qui va arriver comme ça. Alors, le carbone arrive. On va lui faire la même chose qu'aux autres. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait direct. Voilà. Un petit souterrain supplémentaire, c'est pas nécessaire, ça nous consomme plus de ressources, mais je préfère, voilà, tout simplement. Alors ça arrive, hop, ici on en a juste besoin d'un silicone, quartz qui arrive et le calcium. Par contre, ça demande beaucoup au bras, au long bras, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. On va voir sur le long terme. Je vais mettre deux bras à la sortie parce que je pense qu'il y a beaucoup de matériaux qui doivent sortir de ça. Ensuite, la vraie question, là on arrive silicone. Alors, on a juste besoin des silicone wafers pour faire des silicone plates, et si je me trompe pas, c'est aussi qu'une seule machine. Je pense que le ratio était pas pareil, hein. Par contre, il faudrait que je regarde ça. On produisait 0, on avait besoin de 0,57 silicone. Il faudrait que je recalcule, en fait j'ai pas tout marqué. On produit 2 silicones par 7 secondes. Alors ça fait 1 par 3,5, ça fait disons 0,33 par seconde. Oui, donc ici ça produit 1,2. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est plutôt bizarre ça. Donc, petit bug de vidéo qu'il va falloir corriger au montage. Donc, faut que je m'en souvienne. Ensuite, ce que ça va prendre, oui. Silicone wafer. Alors ça, silicone wafer, voilà. Ça se fait dans une machine ordinaire. Je sais pas si je veux le mettre direct dans une machine. Je pense que ça causera pas de problème. Alors ça, on disait c'était 0,33 par seconde. On verra au pire. On verra dans la machine directe. On va pas se casser la tête là. Donc, voilà, c'est ça. C'est que c'est vraiment plus lent. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus lent. Donc, c'est pour ça qu'on en avait besoin qu'une seule. Mais c'était quand même pas très rapide.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans 2. Pourquoi pas? Pourquoi pas direct dans 2. Hop, hop. Les deux vont pouvoir fonctionner. On en aura deux. Est-ce qu'on en a besoin de deux? Non, pas du tout. Mais on en a deux pareils. Voilà. Et ensuite, comme ça, deux, ça arrive. On met ça. Et ça sort comme ça, parfait. Et ensuite, on pourrait en avoir plusieurs un à la suite de l'autre. On voit que un seul, ça arrive à remplir le tapis très bien. Donc, on a nos silicone wafers, ça en produit une belle quantité. Et pour finir, il manque une barre de plastique et tin copper wire. Je sais pas si on veut tirer le tin copper wire d'ici, puisque je sais qu'on en a trop pour ça. Et je pense qu'on va répéter la même chose au cas où. Voilà, comme ça, parce que ça, si on veut l'agrandir, on pourra l'utiliser pour ça. Ça sera bien. Et ça sera bon. Donc, on va retirer le plastique ici. Oui, alors on a ce matériel ici. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ça, c'est pour les transistors. Ça, on a ça qui est déjà fait. Donc, il nous manque les circuits basic board qui sont là-bas, bien loin. Alors, ça, c'est bon. Il nous manque la soudure ensuite qu'il faudra faire. Qui est pas dur du tout, shoulder plate. Ah ouais, ça c'est vrai, je me souviens plus exactement comment on le faisait non plus. C'était juste mélanger les deux, ça sera pas compliqué puisque les deux sont sur la même ligne de toute façon. Même qu'on pourrait les mettre direct ensemble. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, ça comme ça. Hop, ici c'est bon. Ça c'est bon, hop, et ici aussi il va falloir couper. Oui, il faut couper, oui, il faut couper. Parce que ça on met ça comme ça, et ça on met ça comme ça. Hop, voilà. Voilà. Hop, et ça marche. Ici on descend. Alors ça on ne le mettra pas des deux côtés, hein, puisque c'est direct relié à ça. Comme ça. Or, pourquoi est-ce que ça... Ah, c'est erreur. Voilà. Là, ça devrait marcher. Donc, on va pas le tirer trop loin. On peut commencer de toute façon de les mettre direct ici. Voilà, ceux-là, je sais pas pourquoi je les ai mis aussi éloignés. C'est pas grave. Hop, 1, 2. On va en vouloir quelques-uns de plus. Où est-ce qu'ils se fabriquent ceux-là déjà? Voilà. Four, tu vas nous en faire 5 autres, on ne sera pas autant, alors on va attendre les deux. Où est-ce qu'ils sont? Ici. Hop, petite recherche de fini. Polishing. Voilà. Ça c'est bon. Et on connecte tout ça ici. Et par contre là, le seul truc qui va nous manquer, vous savez c'est quoi? C'est bien entendu, malheureusement, c'est du charbon. Voilà. Hop. Nous ce qu'on veut c'est solder plate, mais ça ne marchera pas parce qu'il nous faut du charbon, parce que j'ai pas pensé. Charbon qui peut venir seulement d'en haut. D'ailleurs, est-ce que ça... Ouais, dans tous les cas, on utilisera du charbon. Même si c'était pas forcément du charbon qu'on avait besoin. Ouais. Peut pas vraiment en prendre d'ici. Quoi qu'on pourrait mettre le charbon sur la ligne, ça serait pas si compliqué. Disons. Hop, ça c'est bon. Ça, on passe en souterrain. Là, ça fait double ligne qu'on n'utilise pas, mais c'est pas grave. On va enlever ça comme ça. Sinon, ça sera pas beau. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on passe ici. Ici, on peut pas passer. Ça c'est important. Alors, comment on fait? On pourrait mixer les deux. Ça serait une possibilité. Ce qui voudrait dire qu'on aurait 50-50 carbone charbon. Ce qui serait pas spécialement mauvais parce qu'on n'utilise pas une de carbone non plus, hein, je pense pas.
Les résistances, c'est à peu près tout ce qu'il utilise et ça n'utilise pas une tonne. Vous savez quoi, on va faire ça, on va pas trop se compliquer la vie. Voilà. Hop, si, ça c'est bon. Ok. Et ici, on va faire ça. Ça, voilà. Ça se relie comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Par contre, là ça nous pose un autre problème quand on va vouloir continuer le ça ici. Voilà, comme ça. Ok, ça c'est bon, ça peut continuer. Quand on va vouloir continuer notre passage, le charbon va devoir passer comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est pour le prochaine série de four, tout simplement. Et maintenant, malheureusement, on va se remplir l'inventaire. Malheureusement, oui. On va s'en prendre du stock. Hop, on récupère tout. Voilà. Alors ça, c'est la partie un peu nulle de devoir changer des lignes à chaque fois. Et ça c'est bon, il en reste beaucoup encore. Essaye de tout purger là. Hop, encore, parce que là il y a beaucoup de souterrains, c'est pour ça. On peut pas tout ramasser. Ok, ça c'est bon. Et je pense qu'il reste un petit peu au bout à ramasser, mais sinon c'est pas si pire. On a à peu près tout ramassé, on s'est bien rempli l'inventaire une nouvelle fois. Et ça va. Ici, ça va. Je pense que c'est bon. Honnêtement, je pense que c'est bon. Voilà, ça arrive comme il faut un peu partout. Ça va aller. Voilà, ça c'est bon. Il va falloir aller porter ça encore une fois. Ici, on veut pas tout ça. On veut pas tout ça. Et quelques petits matériaux que j'ai ramassés au hasard. Voilà, comme ça, tout ça on vire. Je virerai aussi un petit peu d'acier, j'en ai trop. Et la résine, je vire. Voilà. Ça c'est bon. Et ici, est-ce qu'on peut se permettre ici de le faire descendre directement là? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors on va descendre ça direct ici. Voilà, jusqu'ici. Par contre, là, ça va être des bras normaux. Des bras longs, mais des bras longs normaux. Des bras robotisés longs. Hop, voilà. Je ne vais pas mettre ça ici, par contre. Il va falloir les mettre de l'autre côté. Hop, et un deuxième ici. Voilà, ça marche. C'est parti. On peut brûler le carbone. Ah, je savais pas. 4 mégajoules par contre, c'est pas génial. Ça, je pense que c'est moins que le charbon, donc c'est pas génial s'il décide de brûler ça. Est-ce que je peux le trouver? Ouais, ça serait bien si je pouvais le voir quelque part. Je suis sûr que j'ai raté 10 fois déjà. Carbone, carbone. Mon Dieu, c'est compliqué. Non, je le vois pas. Tant pis, on peut regarder là. 8 mégajoules et ouais, 4 mégajoules. Donc c'est pas génial qu'on utilise ça partout en plus. Là, ça fait qu'on perd de l'énergie si on veut. Bon, on peut se dire aussi qu'on n'aura pas une tonne à produire, mais c'est pas fantastique. Est-ce que je pourrais faire? Ça serait prendre ça comme ça. Et dire à la place, tiens, tu vas mettre ça. Voilà. Hop. Tu vas prendre ça à la place. Et ça, tu déposes. Voilà, ça, tu vas prendre ça. Alors, on le dépose à chaque fois. Voilà. Et là, normalement, tant qu'on ne sera pas en rupture de stock de... Ah, si j'arrive à le dire. Tant qu'on ne sera pas en rupture de stock de charbon,
il n'y aura pas de problème pour ça. Voilà. Voilà, ça s'est déposé. Maintenant, on va vouloir la ligne de charbon. La bonne vieille ligne de charbon, on va mettre ça. Deux plaques de soudure plutôt. Excusez-moi. Hop, on change. Ça, c'est bon. Sépare les plaques comme il faut. Et normalement, ici, c'est parfait. On devrait en avoir en immense quantité, là, vraiment. On ne sera pas à plaindre. Voilà. Ok, ça, c'est bon. On peut continuer voilà, comme ça c'est bon. Bon, je préférais continuer comme ça quand même. Ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Tous les matériaux qu'on a besoin pour l'instant sont là. Ce qu'il va nous falloir d'autre ensuite, c'est transformer ça en plaque de soudure, donc avec de la résine. On va faire arriver la résine à côté, ici, et on va pouvoir tout récupérer. Voilà. Alors, résine. Tac, tac, voilà. Ça, c'est pas bon, par contre. J'ai pas pensé, mais c'est pas bon. Hop, voilà. C'est bon ici. Ça passe, ça passe. Alors, ça nous fait vraiment consommer beaucoup plus en tant que tel de matériaux hein, pour tous les tapis roulants. Mais je trouve ça esthétiquement beaucoup plus beau. Voilà. Alors, ça passe. On descend. Et il a fallu que je me trompe et que je vais mettre une case trop près, malheureusement. Est-ce qu'on peut décaler ça facilement? Bon, on va juste décaler d'une case ici. Tant pis, tant pis. Hein, ça arrive les erreurs. Ok. Si on va recommencer. Hop. Non, c'est pas aussi proche. Ok, ça c'est bon, on ramasse et on va pouvoir, je sais pas pourquoi je le fais descendre autant, ou bien en tout cas c'est pas grave, l'important c'est que ça fonctionne. Et même qu'on va enlever ça ici, c'est complètement inutile. Voilà. Et ensuite on va pouvoir prendre ça. On en veut combien? Machine de soudure, ça en fait 8 aux 2 secondes. Je pense pas qu'on en veuille une tonne. On en veut ouais, on en veut 5. On va faire deux machines, voilà, ce sera suffisant. Hop. Recherche de terminer, encore une autre. On va faire ça, c'est pour les gemmes, c'est vraiment pas utile tout de suite, mais pas grave, ce sera utile dans le futur. Hop, ça c'est bon. C'est dur, ça va marcher. Et maintenant, on sort les matériaux en avant. J'ai plus de poteaux électriques. On va utiliser les petits pour l'instant, ça va aller. Donc, ça va arriver comme ça. Et ici, il va falloir les mettre sur la même ligne. Ok, c'est bon. Alors comme quoi, juste pour faire les séances niveau 3, ça prend une belle tonne de place, l'air de rien. En tout cas, ça c'est prêt ici. Voilà, on peut descendre ça. Et pour finir, il manque plus qu'à faire les transistors, barres de plastique, fil de cuivre. Alors, fil de cuivre, on va les faire ici. Et est-ce que ça descend? Non, c'est l'autre qui descend avec les barres de plastique, malheureusement. Donc, oui, on va faire ça ici. Est-ce qu'on le veut ici? Je ne sais pas exactement où on le veut. Ça, c'est bon. On va juste se décaler, disons, de deux cases. Hop. Voilà. Les tourne de bord. Et ensuite, on sait qu'on va vouloir faire descendre de ce côté. Ok. Alors, hop, hop.
Je pense que ça c'est bon. Ça. On va voir que ça soit comme ça. Ok, ça passe ici. Ça passe comme ça autour. Et ici, ça passe en souterrain. Voilà. Ça devrait descendre, ça c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de le descendre très loin? Non, pas autant même. Ok. Et ensuite, il nous faut 5 machines d'assemblage. Une ici, une ici, une ici. Puis, séparer comme ça. Deux, deux, deux. Ici, on faut 3 de chaque. Or, ensuite, là, par contre, il va nous falloir des poteaux un petit peu plus gros. On peut faire les plus gros poteaux, mais il nous manque les matériaux, donc tant pis. Ça aussi, ça sera dans le futur. Voilà. Ok, alors ce poteau et ce poteau. Ça, c'est bon. Ici, ce qu'on veut faire, c'est ça. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est cela. Voilà, voilà, ça, c'est bon. Alors, ici, on va faire sortir deux de chaque côté. On va faire rentrer un de chaque côté. Je pense que c'est comme ça qu'on l'a fait de l'autre côté. Non, on a fait un rentrer, un sortir. Ça a l'air suffisant. Ok, on peut enlever cela. Voilà, essayer de le garder comme l'autre côté. Et on va pouvoir faire rentrer ces matériaux ici. Ok, alors faut que les matériaux arrivent ici, qui descend au souterrain ici, qui remonte ici. Ça marche. La sortie sera là. Hop, hop, hop. Je pense que c'est comme ça qu'on l'avait fait. Oui, c'est bien ça. Alors presque à... Est-ce que c'est à la même hauteur? Eh bien, oui, c'est à la même hauteur en plus. C'est parfait. Parfaitement symétrique. Donc ça arrive par là. Voilà. Hop. Ici aussi. Et ça va arriver de ce côté. Voilà. On va devoir couper ça ici. Hop. Bon. Ouais, ça fait pas un très gros souterrain. Disons, on n'en mettra pas. Et ensuite, tout refermer. En fait, s'assurer que tout fonctionne encore avec quelques petits souterrains. Voilà. Donc ça, est-ce que ça... Ah non, cela on veut pas par contre qu'il y ait des souterrains. Cela, c'est un circuit normal. Ça va arriver. Et ça va les amener ici. Pendant ce temps-là, nous, on peut les tirer. Peut-être pas autant non plus. Est-ce que ça fonctionne? C'est dans l'autre sens, ça. Voilà, et ça, c'est dans l'autre sens. Voilà. Trempé de sens. Voilà. Ça marche. C'est un petit peu. C'est pas tout à fait assez rapide, mais c'est pas grave. Puis on peut en rajouter. Voilà. Et ici. Mais je pense pas que ça soit plus nécessaire qu'autre chose. Donc on va les enlever pour l'instant. S'il y a un problème, on les rajoutera. C'est pas grave. Ensuite, pour finir, il nous faut les barres de plastique, les silicone wafer qui sont là. Donc silicone wafer, on va les rapprocher et il va falloir les mettre avec les barres de plastique qui vont arriver juste ici. Barres de plastique, comment est-ce qu'on va les sortir? Hop. Toi, est-ce que tu peux aller plus loin? Merci. Hop, ça marche pas tout à fait. Est-ce que tu peux aller une case plus loin encore? Parfait. Eh. Si c'est pas fantastique. Ok, donc, petit espace vide ici. S'il me faudrait ça sur cette ligne. Donc on va faire une petite inversion. Hop. Et là, il va falloir que je connecte les barres en plastique qui sont là au reste. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ce que je veux.
plus la résine sur le même circuit. Donc il va me falloir combien de barres en plastique? Je pourrais mélanger les deux ensemble, je pense. Est-ce que je pourrais faire ça? Si on enlève ça. Est-ce que je pourrais faire ça comme ça? Si on met ça ici. Non, ça marche pas. Faudrait que je la mette comme ça. Et là, ça serait le plastique qui rentrerait. Alors, on pourrait le sortir de l'autre côté. Mais je pense pas que c'est ça que je veux. Ça prend un peu trop de place. Ça pourrait marcher. Honnêtement, ça pourrait marcher. Hop, on le ramènerait jusqu'ici. Et ici, ça serait mélangé avec ça. Voilà. Comme ça. Hop. Ici. On remet juste du plastique ensemble. Ok, ça marche. De toute façon, à la fin, ça ne ramène qu'un seul, mais nous sommes tentés de le faire comme ça. Et on va amener sur une autre ligne. Et on construira ça de ce côté. On va apporter les wafers. Voilà. Est-ce qu'on peut les apporter? Ça, je me souviens plus. Est-ce qu'on gagne beaucoup de place? Tapis roulant, ça ne le dit pas. Hein. Non, voilà, ça ne le dit pas. Je crois que c'est deux fois plus loin. En souterrain, tac tac, on va en faire au pire quelques-uns et on va pouvoir amener ça. Alors, on va voir jusqu'à où est-ce que ça va. Ça va pas beaucoup plus loin. Ok, on va finir avec des normaux. Tac tac. Ok. Ouais. Pas génial. On va essayer de déplacer ça. On va essayer de déplacer ça, que ce soit un petit peu plus proche. Parce qu'on voudrait en fait que ça arrive ici. Voilà. Que ça soit comme ça. Donc, il faut que ça arrive de ce côté-là. Ok, ok. Pas de problème. Hop, hop, et hop. Voilà. Ça marche. Donc ensuite, il faut la porter à partir d'ici. Pour la porter ici. Comment est-ce qu'on fait? Là, ça fonctionne. Et ensuite, peut-être pas aussi proche parce que là, il y a autre chose. À partir d'ici, on passe comme ça en souterrain ici. Voilà, ça on va le tourner. Voilà, c'est bon. Épisode qui va être un petit peu plus long que prévu pour finir, même si j'ai tout fait pour nous préparer pour qu'on puisse le finir en un seul épisode, hein. Ça prend du temps. Tant pis, que voulez-vous? Pas aussi loin. Donc, vous savez quoi? Je pense qu'on va finir pas plus tôt que prévu, plus tard que prévu. Mais on finira pas les circuits électroniques au complet, on va finir les transistors. Voilà, il nous fallait 4 machines pour les transistors. Voilà. Alors, les machines pour les transistors. On va placer ça. Comme ça. Alors, il va nous falloir 2 bras de chaque sorte. Ça va en produire une belle quantité en sortie. 2 autres bras. Je suppose qu'il y a une façon plus belle de les produire, mais je ne la connais pas malheureusement. Donc on va devoir travailler avec celle-là. Si pour l'instant on va enlever ça et on va relier ça ici comme ça. Donc un petit peu d'électricité là, un peu d'électricité là et un peu d'électricité là.
transistor. Ça, c'est parti. Voilà. Les transistors sont partis. Voilà, la production ça commence. Voilà, ça c'est parfait. Et ensuite, il faudra plus que les sortir comme ça pour en avoir une très belle petite ligne. Voilà, donc on va s'arrêter ici. On a tous les produits pour le faire. Maintenant, on a les transistors. En tout cas, pour faire le circuit électronique avancé, on a les transistors, les éléments de soudure, les résistances et le circuit board. Ils sont tous étalés. Voilà, un ici, un ici, un ici et le dernier ici. Ils sont tous assez éloignés. Ce qui va nous permettre dans le futur de les agrandir facilement. Mais pour l'instant, c'est sûr que ça complique un peu la tâche. Alors, je vais arrêter l'épisode ici. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et on va se dire à la prochaine. Bye bye.